Poulos ou Lupina en direct de Starstable. En fait, aujourd'hui, je voulais faire un petit tutoriel spécial pour passer son clavier en QWERTY. Donc, vous voyez mon clavier là, il est dans mon sens évidemment. Et en fait, qu'est-ce que QWERTY AZERTY ? AZERTY, en fait, c'est juste le nom des touches que vous avez là. Et AZERTY, ça vous prouve, enfin, quand c'est écrit AZERTY, c'est que c'est français, je crois. Français ou un truc comme ça. Et en fait, quand c'est QWERTY, ça veut dire que le Q est à la place du A et le W à la place du Z. Donc QWERTY, en fait, c'est les claviers anglophones et à peu près utilisés un petit peu partout dans le monde. Donc en fait, pourquoi je veux que vous passiez votre clavier en QWERTY, c'est pour mieux jouer à Starstable, tout simplement. Puisque malheureusement, dans Starstable, il n'y a pas... Comment dire, de gestion des touches dans les options, hein. Si vous regardez, il y a des trucs, c'est bien joli, mais en fait on s'en fout, hein. Clairement on s'en fiche. Donc je sais que beaucoup des joueurs jouent avec les flèches numériques et le 0, ce que je trouve absolument pas pratique. Enfin, soit le 0 pour sauter si vous êtes gaucher, donc dans ce cas vous avez la main libre avec la souris et ça marche très bien. Soit en fait vous avez vos mains sur la touche espace et sur les flèches. Donc c'est bien gentil ce mode de jeu, mais ça date un peu des années 30. Et du coup moi je vais vous donner un petit tutoriel pour en fait jouer avec les touches Z, Q, S, D. Donc ça fait les touches... ça fait comme les flèches numériques, hein. Donc les trois, donc là serait gauche, droite, bas et haut. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir la main droite libre, puisque le pouce servira de faire l'obstacle, hein, avec espace. Et comme ça, vous avez la main libre pour aller sur votre souris. La caméra grâce au clic droit. Et la molette pour avancer ou reculer. Et franchement, ça change la vie. Donc en fait, pour passer son clavier en QWERTY, c'est tout simple. Je vais essayer de retourner mon clavier pour vous montrer. Oh, la file est très courte. Alors, du coup, j'en suis où moi? Je crois que c'est inversé sur mon écran, donc ça me perturbe. Oui, alors, l'image est inversée, je suis navrée. Du coup, vous avez... donc AZERTY, on est d'accord. Les touches que vous allez utiliser, c'est Z, Q, S, D. En fait, donc je vais pas vous demander de changer les touches de place, hein, ça ne servira à rien. C'est juste un mode dans votre PC. S'il n'est pas programmé, il faudra aller bidouiller un petit peu dans les paramètres. Si jamais ça vous arrive, je vous expliquerai dans les commentaires ou autres. N'hésitez pas à me dire que ça marche pas. Parce que je sais que pour les Windows 8 ou 10, des fois, il faut un petit peu bidouiller. Donc en fait, c'est tout simple pour passer. Donc là je suis en mode français. Donc ça, c'est un A. Et vous voyez, quand j'appuie, je dois être en mode anglais, en fait. Voilà. Donc Q, S. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis censée jouer avec le Z, Q, S, D. Désolée, hein, vu qu'il est à l'envers, j'ai un peu de mal. Et en fait, là, le A marche, le Z marche, le D aussi. Mais enfin, il n'y a rien qui marche, donc je suis bien en mode français. Je vais arrêter de... on va éviter de rentrer dans l'indienne quand même. Ah, je fais n'importe quoi. Ah là là, stop, on arrête le massacre. Bon, désolée. En fait... donc, pour passer votre clavier en QWERTY, vous allez appuyer sur Alt, qui est juste là, entre la touche démarrer et la barre espace. Donc, Alt et Shift. Alt, Shift, une fois. Et grâce à ça, en fait, c'est magique. Vous avez passé votre clavier en QWERTY. Hop, vous pouvez jouer avec ZQSD. Là, on avance. On s'arrête, on recule, on tourne par là et on tourne dans l'autre sens. Désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je vais enlever ça parce que ça vous gêne en fait. Et comme ça, ça vous permet vraiment de bien jouer. Par contre, alors stop, ouais, je me trompe. Je fais des bêtises.
Bon, je le remets dans le bon sens parce que je m'y perds. Et du coup, en fait, quand vous... ça va être aussi beaucoup plus pratique avec les Islandais et leur tölt. Leur tölt, pardon. Donc, en fait, vous avancez tranquillement. Donc, moi, je fais avec la... Vous voyez, je joue comme ça, moi. Donc, j'avance avec la molette. Donc, on va dire qu'on est au pas. On appuie tranquillement sur Shift. Et avec la molette, on accélère. Et hop, on est direct au tölt. Et on se fait pas chier avec 30 000 touches, 30 000 trucs dont tout le monde s'en fout. Et c'est formidable. Et en fait, pendant vos courses aussi, ça peut vous aider. Donc je sais absolument pas si vous jouez comme ça ou pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous jouez, si ça vous changera la vie ou pas. Par contre, il faut un petit temps d'adaptation. Et évidemment, pour revenir au clavier français, c'est pareil, hein, Alt et Shift. Alors, je vous montre tout de suite qu'on est en QWERTY. Donc, je vais aller parler dans le club, de toute façon, il n'y a plus personne. Par exemple, donc les touches QWERTY, en fait, sont pas du tout dans le même ordre que les touches AZERTY. Et du coup, par exemple, si vous voulez faire un M, ben, ça ne fera pas un M, ça fera un point virgule. C'est pour ça que c'est un tout petit peu chiant, la manip, que vous commencez à écrire et en fait, vous dites « Ah merde, je suis en QWERTY ». Bon, bah, du coup, vous re-switchez et là, c'est bon, vous faites des M. C'est juste ça, le petit truc casse-pied, mais pour les courses, les championnats et tout ce que vous voulez, ça change la vie. Je pense que c'est comme ça que jouent les damoiselles qui ont des scores phénoménaux au championnat et aux courses. Et si elles jouent avec le mode flèche et compagnie, bah franchement, chapeau, hein. Enfin bref, sur ce, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous fais des cœurs sur le clavier, hein, et des paillettes. Et moi, je vous aime. Et bisous à tous!